nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon après-midi, Zoto. Et bienvenue autour du corps de notre sœur Lucie. Il y a 40 ans en arrière, les parents de Lucie, qui présentent Lucie encore tout petit baba, tout petite fille, à l'église pour qu'il recevra le baptême, pour qu'il vienne fille, bon Dieu. Aujourd'hui, 40 ans après, son école a amené ici l'église de bon pasteur, c'est l'église qui est fréquentée pendant beaucoup de temps sur la vie, pour demander bon Dieu pour accueillir Lucie dans son la joie, dans son la paix. Père, rappelle-toi que Lucie est entrée dans l'église au jour de son baptême pour devenir ta fille et sœur du Christ. Regarde aujourd'hui la peine de tous ceux qui l'aiment. Sa mère, son enfant, tous les autres membres de la famille, ses amis, ses camarades de travail. Ils sont ici pour te confier, Lucie, parce que tu es un Dieu Père plein de miséricorde. Ouvre-lui les portes du ciel et accorde à chacun de nous la grâce de passer à travers cette épreuve dans la foi et dans l'espérance. Amen.
espérance vous donne la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Chers amis, dans ce moment de tristesse, d'épreuve, nous nous rassembler dans cette église de bons pasteurs pour dire un dernier adieu, un dernier au revoir, Lucie. Nous ici pour écouter la parole, mon Dieu. Sa parole qui vient éclairer nous la vie, qui vient dans le sens nous la vie, nos chagrins, nos tristesses, nous la vie en entier. Et nous ici pour prier pour Lucie, que le Seigneur y accueille dans son amour, dans sa miséricorde. Prie pour sa maman, pour sa fille, tout spécialement, et pour tous les autres, ses bien-aimés, qui y laissent derrière. Et bien sûr, nous prions aussi chacun pour nous. Et là, justement, nous avons un bon exemple devant nous, qui manière la mort, il vient prendre nous un moment, il pas regarde nous l'âge, si nous vieux, si nous jeunes, l'aigne arrivé, il arrivé sans la vêtir nous. Et alors, nous prions aussi pour nous. La mort de Lucie doit être faite, nous, imaginons aussi nous propres la mort. Quand Lucie t'y baptisait, le signe de la croix, le signe du Christ, le signe de l'amour de Jésus, du bon Dieu, qui a tracé le front de Lucie. La croix qui nous a porté, elle va être maintenant déposée le cercueil de Lucie. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur, rappelle-toi, nous as aimés jusqu'à mourir pour nous, et que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Lucie et pour chacun d'entre nous. Et aussi, le prêtre t'y remet avec ses parents une lumière. Pour dire, voilà, Lucie, par son baptême, il vient à la lumière, et lui grandit grâce à la lumière toujours allumée. Et moi, j'invite deux membres de la famille pour prendre la lumière, la bougie avec moi, pour allumer les deux bougies à côté. Seigneur, tu nous avais confié Lucie pour qu'elle grandisse en enfant de lumière. Que cette lumière éclaire son voyage vers l'éternité. Remettons entre les mains de Dieu, le Père, Lucie. Et avec confiance, en nous supplie le Seigneur dans sa miséricorde pour nous tous ici présents, rassemblés. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces tout péché. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu arraches l'humanité à la mort. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu ouvres les portes de la vie. Seigneur, prends pitié. Dieu notre Père, accorde-nous tous ton pardon. Fais-nous vivre de ta vie pour les siècles des siècles. Amen. Prions.
Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde que tu lui as envoyé ton propre Fils Jésus. Il a vécu sur cette terre. Il est mort et ressuscité pour que tout homme ait la vie en abondance. En cette heure de peine où Lucille, notre sœur, vient de nous quitter, nous te supplions instamment, augmente notre amour, avive notre espérance, donne-nous de croire vraiment que le Christ est la résurrection et la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Asseyez-vous maintenant pour écouter la parole de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. En effet, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors, toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. » Parole du Seigneur. Thank you.
Seigneur est avec vous. L'évangile Jésus-Christ d'après saint Luc. Ça l'étant là, Jésus t'y parle dans la ville qui s'appelle Naïn. Son bon disciple et qu'un grand la foule t'y alle avec lui. Quand t'y peut approche la porte de la ville, dit moun t'y peut emmène un mort, seul garçon un veuve pour aller enterrer. Un grand quantité d'habitants la ville t'y peut accompagner sa veuve. Quand Jésus t'y voit sa veuve, il t'y prend pitié pour lui. Il t'y dit, lui, pas pleurer. Jésus t'y approche et tout cercueil. Sa bande du monde qui t'y peut emmène, sa cercueil t'y arrêté. Jésus t'y dit, jeune homme, mon ordonne-nous, levez. Sa jeune homme t'y assisé et t'y commence causer. Jésus t'y rend lit avec son maman. Tout le monde qui t'y là, t'y rempli avec la frayeur. Zoti loué bon Dieu. Zoti dit, un grand prophète in levé parmi nous. Bon Dieu in vine secours son peuple. Sa nouvelle, le Jésus t'y fanait partout dans Judée et dans chaque région. À nous acclame parole, bon Dieu. Maintenant, nous avons écouté un témoignage qui pourrait faire. Bon, qui pour faire votre témoignage, David. Bon après-midi. Témoignage, la parole à la famille et bonnes amies, Lucy. Bien-aimé, bon qui a la tristesse à cause pour gagner consoler. Lucy natif à tranquille, signé le 27 juillet 1982 l'hôpital Victoria. Lucy grandit Forêt-Noire, Montfleury. Il a grandi sur la foi de le Seigneur de l'église Bon Pasteur, pour il fait son première communion et la confirmation. Pour ça qui fréquente l'église Bon Pasteur, pour aussi connaître que Lucy et son maman passent même enclamé samedi 5h. Lucy fait son étude primaire Montfleury, secondaire Plaisance, et après retourne 5 Montfleury. Après ça, il a fait l'étude avancée polytechnique, NAI, et nous-mêmes suivons le parcours que nous avons à l'Université de la France ensemble. Lucy tient les enfants tout seul, donc nous prenons camarades comme enseigne, les faits qui m'ont aussi mes enfants uniques. Et nous tout le temps protéger camarades contre l'école. Il y a aussi peut-être sa raison que nous continuons à suivre camarades de parcours. Son seule profession est enseignant. Il enseigne langage français dans plusieurs écoles, Pointe-Larry, Plaisance, Belloni, et dernièrement, il s'occupe de l'école tourisme Estier. Mémoire Lucy pas pour venir qui s'agrinant, à cause de Lucy, il tout le temps s'en qui met l'ambiance parmi tout le monde. Il est très actif dans l'école pour participer à une activité de l'école et extra-scolaire. Pour montrer un stage devant l'audience, partisan mais un problème pour lui. Et il dit tout le temps sa haine, qu'il aide les autres pépères pour aller, lui, il donne ça l'encouragement. Nous faisons ça. SBC, même parfois, revive bon moment sa bonne chose de temps en temps. Et là, il prend plus de mémoire encore pour nous. Naissance Léa de la ville aussi, il décrit comment son plus joli cadeau qui est désagréable. Et ça, il donne encore plus la force pour venir plus déterminer dans son avis.
Itin gan li et l'autre best friend. Zoti partage tout ensemble. Zis pareil li ti fait avec son maman. Mais ce n'est pas un adieu à Lucie s'il n'y a pas quelques mots en français. Sa langue préférée. Notre langue préférée qu'on partageait en commun. Permettez-moi. Un ange nous a été envoyé pour 40 années seulement. Le Seigneur a besoin d'elle maintenant. Lucie, je ne t'oublierai jamais, bien sûr. Je ne sais déjà comment me consoler. J'essaie maintenant de ne pas juste accepter ton départ, mais aussi d'accepter que tu t'en vas avec une partie de mon enfance, de mon adolescence, de nos secrets, de nos peines, aussi bien parfois des mécontentements parmi nous. Tu nous manques déjà, Léa te manque, ta famille, toutes tes amies, tes collègues, tes élèves, les nombres de jeunes que tu as pu guider pendant ce temps que tu as été à nos côtés. On comprend bien maintenant pourquoi on avait une ange. On remercie le Seigneur aujourd'hui pour ta vie. Merci pour nous donner Lucie. La famille tranquille y aussi remercie tout le monde qui nous donne notre support et mon encouragement pendant ces derniers jours pour ce moment difficile qu'ils ont pu passer là-dedans. Notre bon support, il est bien apprécié. Adieu Lucie, adieu Loulou, adieu mes amis.
Une lettre pour Lucie de la part de son Saint-Père Justine, qui actuellement peut rester en Amérique et malheureusement pas capable avec nous aujourd'hui. The hardest and most painful goodbyes are the ones never said. Dear sis, I never expected nor imagined having to write this letter. I remember the very first time that I was told that I had a sister and that she was looking for me. I remember my first phone call to you like it was yesterday, our first conversation, and when we finally met for the very first time that afternoon, our first hi and first hug. I remember how happy you were to finally meet your big sister. I will never forget the first time you called me sis and told me you loved me, and your smile when I told you I love you too, sis. We quickly bonded and developed a special friendship. After all, we were sisters. I didn't see this day coming so soon. I really thought that we had many more years left together to create new memories, to text and call, to laugh and share. Sis, this hurts. It hurts so much. I will miss our little conversations, our texts, our calls, and all your silly and funny memes. I will keep strong, knowing that God is in charge and that He gets the final say. I am thankful for the little time that He granted us together, for the love we shared and all the memories we created. In my heart is where you will always be, and a little bit of you will always live in me. I will cherish all the memories till the end, and when my time comes, I look forward to one of your hugs and smile. Say hi to Dad and keep watching over us, especially Leah and your mom. Naima sends her love too. Till then, rest in peace. I love you, your sis Justine. Témoignage de la famille, l'Académie Tourisme. Lucie, tu joins la famille, l'Académie Tourisme, un peu plus que 3 ans passés. Quand tu partis pour beaucoup de temps pour intégrer avec son bon collègue. Si tout son équipe de département langage. Son relation avec son bon étudiant, tu aussi haine que tu remarquable. Son envie pour être accompli sur l'objectif, toujours avec douceur et beaucoup conseil. Tu encourages l'atmosphère conviviale pour les autres apprentissages. Beaucoup, tu es aussi connu ici à travers son enseignement de plusieurs écoles secondaires, quand tu touches la vie en quantité. Son contribution pour ses bons élèves dans certaines bonnes écoles telles que Plaisance, Belloni et Rivière Anglaise, il n'est d'autres applique beaucoup de connaissances qu'il transmet avec les autres. Et il établit l'amitié avec son bon ancien collègue. Miss Lucie est tout le temps un individu douce et tranquille. En caractère, Ziz paraît son signature et dit. Pas si facile, voilà, prend la colère. Et même si tu peux expérimenter une frustration, il préfère garder son calme. Il te démontre l'amour pour son profession, qui t'in choisi 20 ans passés. Il décide son rôle avec beaucoup d'humilité jusqu'à son bon dernier jour. La journée de l'office que Lucie t'y basé, pas t'y jamais passé, sans bon t'y face, qui lit et t'y bien apprécié. Il t'y est individu, qui t'y content et comprend les mots son bon collègue, mais il n'a pas hésité pour exprimer son opinion quand il est nécessaire. Nous pas pour facilement oublier sa présence parmi nous, et spécialement de l'office qui est partagé avec son bon collègue de département langage. Bon tises, tel qu'il lève les yeux pour que tout par là-haut son lunette, quand il peut donner son attention, pas pour jamais oublier. Même la façon qu'il adresse chacun de nous, quand il fait son arrivée de bon matin, c'est unique. Nous sommes capables de dire
qui chaque mot sur son personnalité et tous chacun de nous. Mademoiselle Tranquille a partagé une partie de sa vie avec nous tous et nous sommes profondément attristés par son soudain départ. C'est une grande perte pour l'Académie de tourisme. Tu vas nous manquer énormément, Lucie. Tes souvenirs lui garderont précieusement. Vol vers l'éternité, Mademoiselle Tranquille. Adieu, très chers amis et collègues. De la part du ministère des Affaires étrangères et tourisme, board, étudiants et travailleurs de l'Académie de tourisme, nous présentons nos sincères condoléances à la famille et tout le monde qui nous privilégie pour connaître. Merci. Chers amis, nous ici pour rendre Lucie un dernier hommage. Vous direz adieu. Adieu dans le langage de l'Église et confier Lucie dans la main, bon Dieu son papa, nos papas. Sont la vie, pareil nous nous chantons dans le psaume, il repose entre les mains de son Père. Nous ici, pour prier pour lui, prions aussi pour son maman, pour sa fille Léa, et pour tous les autres qui dans le chagrin, tout bon sont bonnes amies. Lucie, la fille de Ginette, et Lucie, la maman de Léa. Lucie quitte nous à l'âge de 40 ans, encore bien jeune. Léon a 40 ans devant lui, il y a encore une quantité, il en est. Voilà, mais bien jeune quand même, il quitte nous. Mais pareil, nous tous, nous ressentis, sur la mort, il y a une surprise pour nous. Dans l'évangile qui m'ont lit, et à l'évangile, il cause l'eau, la procession, Bandimoun, qui t'y peut accompagner une veuve de Naïm, qui t'y peut emmener son seul garçon au cimetière Pontelli. Et c'est la procession qui joint avec un lot de bandimoun qui tient en tête la procession et l'autre la procession, Jésus et son bon disciple. Là, Jésus voit sa veuve en pleurs. Jésus qui quand il toussait, il t'y fait arrêter la procession, et il dit avec sa veuve, pas pleurer. Et Jésus dit, tout sur ses cueils, tu dis, jeune homme, levé. Et Jésus dit, redonne sa jeune homme avec son maman. Aujourd'hui,
une veuve, Ginette, de conduire son seule fille au cimetière. Son fille. Ginette, Jésus parla pour lui dire où, pareil qui était à cette époque-là, pas pleurer. Mais moi, mon Dieu, pleurer. Pleurer, là, nous pas pleurer, c'est juste à cause de nos chagrins, ça. Mais pleurer aussi, l'amour aussi fait nous pleurer, là, au content du monde. C'est à cause du content Lucie qui vous pleurez. Et pleurer. Et Saint Paul même, il dit non, il y avait de bons chrétiens, pleurer, mais pas pleurer pareil des païens. Pleurer pareil des gens, des croyants qui ont l'espérance, qui ont la foi. Ginette, Jésus pas pour rendre Lucie vivante, pareil tirant sa veuve de Naïm, son garçon vivant. Mais Jésus a qui pour faire, il pour donne Lucie la vie avec lui. Et ça qui Jésus pour faire, il pour donne nous la force, courage, pour passer à travers ce moment difficile. Un moment qui peut dire un bon peu de temps encore. Parce que peut-être chaque fois que vous imaginez Lucie, l'âme peut couler. Ou les cœurs pour gros. Nous, bon Dieu, pareil même, nous voit là dans ce passage de l'Évangile, il y a un bon Dieu de compassion. Jésus, il souffert. Là, il voit sa veuve en pleurs. Et Jésus, il peut souffrir lui aussi aujourd'hui, là, il va où pleurer. Il peut pleurer avec vous. Il peut pleurer avec Léa. Zoute pas zoute tout seul dans ce moment difficile. Jésus, bon Dieu, il est avec zoute. Parce que nous, bon Dieu, il y a un bon Dieu qui n'est pas indifférent avec ça qui arrive. Nous, bon humain, il est toujours concerné. Il est toujours quand il est touché par tout ce qui arrive à son frère, à son sœur. Lucie est avec Jésus. Le jeudi saint au soir. Le moment qu'il peut célébrer son dernier adieu, quand il voit son bon ami bouleversé, triste. Et alors Jésus tient en pour autre une parole de consolation, de réconfort. Mon père le prépare une place pour vous autres dans la case de mon papa. Pour qu'il a. Quand moi va été, j'ai aussi, j'ai va là avec moi. Et oui, chers amis, Lucie, il est avec bon Dieu. Il a pris son place que Jésus a préparé pour lui. Et c'est là aussi que Jésus donne nous tout rendez-vous. Bon Dieu, il faut nous réaliser, il peut créer nous jusqu'à la ville ou la terre. Bon Dieu, il crée nous pour vivre avec lui, pour partager son la vie. Mais, malheureusement, pour partager son la vie, pour vivre avec Jésus, nous besoin passe par la mort. D'ailleurs, il ne faut pas nous étonner. Jésus lui-même, pour retourner contre son papa, il ne passe pas la mort. Hein? Ben, c'est le chemin qui nous tout. Nous besoin prendre un jour dans nos la vie. Content, pas content, nous besoin passe par la mort. Alors, la mort,
Pareil, nous dit toujours, c'est sa passage qui nous fait. Sa vie ici-bas, sa monde ici-bas, quand nous l'adons, pour la vie avec bon Dieu, pour sa monde bon Dieu. La vie, lui-ci, par conséquent, il prend la vie qui est finie. Son la vie est transformée. La vie continue pour lui-ci. Il peut continuer côté bon Dieu. Il peut vivre avec bon Dieu. Nous, ici, cet après-midi, pour célébrer son la vie. Pour célébrer tout ça, bon quelque chose. Nous entendons un bon témoignage. Tout ça manque quelque chose qui ne fait son la vie. Les petites choses, comme aussi les grandes choses. Tout ça, pour bon Dieu, il y en a une importance. Et tout ça qui fait nous la vie. Et c'est ça qui donne la valeur nous la vie. Et c'est tout ça qui nous l'est offert. Avec Lucie, nous l'ai offert, bon Dieu. Lucie, il est dans la main du Seigneur. Si peut-être il est capable de dire, oh, maman, mamie, mon bien contre moi été. Eh oui, si il est dans la main du Seigneur, il peut. Bien que tu étais, et qui repose en paix. Amen. Bien, on va mettre nous debout pour la prière des universelle, la prière des fidèles. Dans la foi et dans l'espérance, prions ensemble. De nous quitter, que le Christ ressuscité l'accueille dans son paradis et la reçoit dans la gloire de son Père. Prions le Seigneur. Et toutes les familles en deuil, aussi ses amis, afin que Dieu leur accorde la force de supporter la séparation et la grâce de rejoindre un jour ceux qu'ils pleurent aujourd'hui. Prions le Seigneur. Pour que la foi dans la résurrection nous remplisse fort, que la réalité de la mort et que la mort nous apparaisse comme la porte qui s'ouvre sur la lumière et la joie éternelle. Prions le Seigneur. Yeah.
Pensons aux malades qui se battent contre la mort. Demandons à Dieu de les envoyer des personnes attentives pour les soutenir et les accompagner dans leurs souffrances. Prions le Seigneur. Afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu de nous, rassemblés en ton nom autour des corps de notre sœur Lucie, écoute nos intentions de prière et daigne répondre à nos appels, toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Unis dans la même foi, dans la même espérance, avec confiance, nous prions ensemble, bon Dieu Papa, avec la prière que Jésus laisse pour nous. Notre Père, chantez, ok? S'est endormie dans la paix du Christ. Accompagnons-la de notre prière et confions-la à l'amour de Dieu notre Père dans la foi et l'espérance de la vie qui ne finit pas. Et prions aussi pour nous-mêmes, pour sa mère, son enfant. Puissions-nous un jour, après les deuils et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre du Christ
quand il paraîtra dans sa gloire, lui qui est notre vie. Mes chers amis, fais un petit moment de silence. Vous imaginez tout ça que Lucie était pour nous, tout ça que nous vivons avec lui. On commence par Ginette. Tout ça qui lui était pour, et tout ça qui aussi était pour lui. Là, il y en a un trou maintenant. Léa, à sa maman. Un moment pour dire merci. Et tous les autres camarades d'études, enfin, professeurs, enseignantes plutôt, non, étudiantes, il y en a qui deviennent peut-être professeurs même. Pense tout ça qu'ils ont une vie, des bons moments ensemble. Lucie, God be with you. Bénis sont les corps, parce que les corps, un des corps humains pour nous, est sacré, un grand quelque chose, une grande valeur. Ça, les corps, où son baptême, vient la case, bon Dieu, la demeure de Dieu, le temple de l'Esprit Saint, et ça, les corps, Dieu pour redonner la vie. C'est un signe, ça, la foi, je bénis son corps. Amen.
On nous prie, Seigneur. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos Lucie, dont tu connais tout le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions que demeure dans la mémoire de tous ses amis, de ses parents, tous ceux qui la connaissent, ce qui était grand et beau en elle, que lui soit pardonné ce qu'elle a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'elle a fait de bon par Jésus ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant pour les siècles des siècles. Amen. On va prier ensemble la Vierge Marie, nos mamans du ciel, que Jésus nous donne, nous, pour que Marie, avec Jésus, Dieu le Père et les saints, tout ça, y accueille Lucie dans la paix, bon Dieu. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est le fruit de vos entrailles. Cette Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est le fruit de vos entrailles. Cette Marie, Mère de Dieu, gloire au Père, c'est au Saint-Esprit. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. On les dit merci pour la petite contribution d'offrande qu'ils ont fait pour nous, pour l'Église, bien sûr, et on rappelle les autres. Qui a parti de demain, samedi soir, dimanche matin, les deux messes, pendant trois week-ends, nous offrons la messe, nous prions pour Lucie. Et bien sûr, nous prions aussi pour son bon bien-aimé qui laisse derrière. Alors, ça donne aux autres l'occasion d'assister à la messe pour vous. Imaginez-le. Et mon profiter avant de nous séparer, dit Madame Ginette, Léa, toutes mes condoléances. Que bon Dieu donne de la force, courage, à travers ça, là, moment d'épreuve qu'ils ont une passe là-dedans. Peut-être qu'il faut dire encore un peu les temps, chaque fois qu'on imagine Lucie. Mais Dieu y en va, donne de la force, le courage. Et après tout, c'est la vie. Merci beaucoup alors. Bon départ pour vous tous qui là, qui viennent entourer sa maman, que sa fille, qui ne perdit quelqu'un qui est cher pour vous autres. Et alors, on dit autres merci pour votre présence ici, pour votre bonne sympathie qui doit nous échanger. Merci beaucoup. Merci.
when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifting me up when I couldn't reach. You believe I'm everything I am because you love me. You gave me wings and made me fly. You touched my head and I could touch the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said no star was out of reach. You stood by me.